Dis-moi, on a sorti le petit jean moulant, là, hein, qui moule bien le cul. Ah, commencez pas. Non, c'est bon, là. Oh, c'est vrai, t'as pas d'humour. Ah, t'as tes règles. C'est un truc de dingue. J'ai pas d'humour, ça. Attends, hé, hé, ramasse-moi ça, t'as une augmentation. Elle est plus bas. Ah, c'est pas la première fois, ça va. Derrière. Arnaud. T'en as vu d'autres, hein. Hé, dis-moi, Arnaud, t'as pas une bouche à faire un bébé tout de suite, toi. Non, mais viens. Info là avec tes petites lunettes. Hein, ouais, ouais, tu fais très assistant de direction, lubrique. Ouais, ouais, lubrique. Hein, Marie ouais. Hein. Sacré Agathe. Ouvrir ce mercredi avec Louise. Voilà, c'est ce que je vous propose ce matin. Vous allez me dire que quand même, je suis assez sympa. Louise, t'as vu, on travaille pour toi. Grâce à ce genre de sketch-là. Et grâce à cette émission, bientôt, il n'y aura plus de différence entre les filles et les garçons. Alors, tu chantais pendant le générique, Louise? Ah, tu veux te mettre sur la table? Tu veux taper des mains? Virginie, elle a quel âge, Louise? 15 mois. 15 mois. On va se retrouver tout à l'heure dans l'émission. Vous avez rendez-vous et c'est une chance avec le docteur Pfersdorf. Je vous laisse aller en coulisses avec les nounous. Bonjour, bienvenue. On est ravis de vous accueillir dans notre maison, décorée par nos soins, enfin essentiellement Benjamin, parce que c'est vrai que c'est lui qui a plutôt l'œil déco dans cette émission. On connaît ma touch. Voilà, votre touch. Docteur Pfersdorf, rempart du bon sens. Meilleur médecin d'Europe de l'Ouest, le monde entier nous l'envie. Et aujourd'hui, vous parlez gastro. Voilà, un truc qui n'a rien à voir. Ah oui, donc bien se laver les mains, mais on va en parler après. C'est la période, c'est un peu toute l'année, mais plus en hiver qu'en été. Alors, vous nous parlez de la façon dont on peut la prévenir, et évidemment, comment on la traite. Comment on la traite, surtout chez les petits nourrissons. Marie, père Arnaud, de toute façon, n'est plus avec nous. Il y a son corps, mais il n'y a pas du tout son esprit, car son esprit, mesdames et messieurs, est dans le froid et la neige, car elle est déjà en Finlande. Oui, profitez de mon corps non abîmé par le froid, car je risque de revenir avec une oreille en moins. Mais non. Gerçure partout sur le visage. Mais non. Mon corps va être retrouvé dans des années, fossilisé auprès d'un renne. Qui lui-même vous aura uriné dessus. Oui, pour me réchauffer. Pour vous réchauffer. Car oui, les rennes sont plutôt sympatoches. Ça va, Benjamin? Vous avez envie de quitter cette émission, je comprends? Oui, je m'interroge. Je m'interroge. Oui, je vais parler de sexisme. Mais je vous ai rien demandé. Du vrai sexisme. Je vous ai pas demandé. Vous voyez comment elle est avec moi? Respectez-moi un peu. C'est dur, là. Je vous respecte tellement. Bah, justement, j'essaie d'inverser un petit peu les... les tendances dans cette émission, parce que vous savez que je suis très, très souvent rabrouée. En tout cas, vous le savez, c'est pas à vous que je vais dire ça. Avoir des enfants, c'est bien. Pouvoir les confier une heure ou deux à une personne de confiance, c'est pas mal non plus. Bah oui. Ouais, ça, c'est sûr. Et c'est ce que propose Pop Moms. C'est une appli géniale qui géolocalise et relie déjà 10 000 parents. De plus en plus de bébés présentent une déformation à l'arrière du crâne ou sur le côté. Alors, nous verrons quelle peut être l'origine de la plagiocéphalie ou tête plate, et comment corriger ce problème sans gravité, mais pas très esthétique. Et puis Marie-Père Arnaud nous donnera quelques idées pour apprendre à nos enfants à bien nommer les couleurs, leurs différentes nuances, à travers des albums, des jeux ou grâce à la simple observation du monde qui nous entoure. Marie, est-ce que vous pouvez nous dire vers quel âge ils commencent à distinguer les couleurs, les enfants? Très tôt, ils commencent à les distinguer. Vers 15-18 mois, ils sont capables de faire des tris de couleurs. Mm-hmm. Néanmoins, de les nommer, c'est vers 2 jusqu'à 3 ans quant aux diverses variations, genre le bleu turquoise ou le jaune de Damas. Voilà. Oh là là. Et là, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Voilà, compliqué. On parlera donc de la tête plate, je vous le disais à l'instant. Parfois, on ne le voit pas. Ce sera le cas de notre témoin. On ne remarque pas parce qu'il y a beaucoup de cheveux ou parce que l'enfant a d'autres petits soucis. Donc du coup, c'est bon de prévenir plutôt que de guérir. Docteur, vous aviez fait un tuto là-dessus récemment. Est-ce que ça vous arrive, vous, d'envoyer du coup des enfants chez le kiné ou chez l'ostéo? Oui, oui, absolument. Ce qui compte, c'est vraiment d'agir en amont, c'est-à-dire dépister très tôt, donner les bonnes mesures à prendre aux parents pour éviter que ça arrive. Autrefois, quand ils dormaient sur le ventre, il y avait moins ces problèmes-là, mais il y en avait d'autres. Et effectivement, d'aller soit chez le kiné, soit chez l'ostéo. Et parfois, les 2 mois qui est vécu, je pense que c'était très complémentaire. J'ai les deux et du coup, j'ai un petit crâne bien rond. Vous pouvez évidemment témoigner, pas moi, mais mon fils. Vous pouvez témoigner sur les réseaux. Vous avez tout l'éventail, évidemment, Facebook, Twitter, Instagram. C'est l'heure de s'informer. On
On démarre avec un chiffre, ce journal. Plus de 40, enfin près de 40% des Français, pour être très précis, trouvent le congé paternité trop court. Chiffre révélé par le baromètre annuel de la DRES, le service statistique des ministères sociaux, qui nous apprend plusieurs choses très intéressantes. 38% des Français souhaiteraient un congé paternité plus long. C'est pas beaucoup, 38%, je trouve, mais ça passe à près de 60% chez les jeunes, chez les parents d'enfants de moins de 3 ans. Logique, quand ça vous concerne, vous êtes forcément plus sensible. Par ailleurs, 7 Français sur 10 pense que ce congé doit rester facultatif. Et vous, d'ailleurs, vous en pensez quoi? Ça nous intéresse vraiment de savoir ce que les téléspectateurs pensent de cette question. Ah oui. Donc on lance un débat, un sondage sur la page Instagram de la Maison des Maternelles. Allez voter, on fera un grand récap des réponses demain. Allez-y, Instagram. Marlène Schiappa disait que c'était pas évident, que c'était pas encore vraiment dans la culture chez les hommes et surtout dans les entreprises. Et puis surtout, il faudrait aménager les réunions pour que ça se termine pas tard. Enfin voilà, on en reparlera. Une vidéo très touchante maintenant d'un bébé qui entend pour la toute première fois. Alors, ça se passe à Atlanta, aux États-Unis. Elle s'appelle Scarlett. Elle a 3 mois et connaît des troubles importants de l'audition. Sa maman, qui s'appelle Carole, est allée équiper la petite Scarlett d'un appareil auditif avec sa grande sœur. Regardez. Alors, vous voyez, l'éclate de rire en entendant sa sœur pour la première fois. Et la maman qui est derrière, elle est comme choquée. Elle expliquera pourquoi, et c'est ça qui est très intéressant pour nous ce matin. Elle dit, on pensait juste qu'elle avait un tout petit trouble auditif, car jusque-là, elle réagissait à la plupart des sons. Et quand on a vu sa réaction là, une fois équipée face à sa sœur, on a compris qu'en fait, elle n'entendait quasiment rien. Du coup, ça nous interpelle, Arnaud. C'est vrai que les enfants, les bébés qui sont sourds, ils réagissent quand même au bruit. Comment alors ça s'explique, ça? Un réflexe au niveau du tympan. On claque dans les mains, il va sursauter. Mais ça ne veut pas dire qu'il entend. C'est un réflexe au niveau du tympan. C'est une onde, en fait. C'est ce qu'on appelle le réflexe oculo-auditif. Et après, quand ils sont un peu plus grands, on pense qu'ils entendent. Et c'est à nous, les professionnels de la santé, ORL, etc., à faire un dépistage le plus précoce possible. Et si on a un doute, on va voir les aigus, les médiums, les graves. D'accord. Ça, on ne peut pas le voir avec son enfant comme ça. Et les parents, oui, les parents peuvent... Ne peuvent pas le voir forcément. Ils sont habitués, ils voient que l'enfant ne parle pas bien, etc. Et c'est déjà presque un peu tard. Il faut dépister ça le plus tôt possible. Docteur Pforzdorf, est-ce que vous êtes du genre à rigoler aux blagues sexistes? Je ne répondrai que devant mon avocat. Vous avez raison, Arnaud. Il vaut mieux. Parce que qu'est-ce qu'on n'a pas appris la semaine dernière à la télé et à la radio? Plus de la moitié des sketchs humoristiques mobilisent au moins un ressort sexiste. L'humour qui véhiculerait des clichés tenaces et qui empêcherait à la société d'avancer sur ses questions. Et Dieu sait s'il est nécessaire d'avancer sur ces questions. On accueille pour en parler la secrétaire générale du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui est à l'origine de ce premier état des lieux du sexisme en France. Bonjour Claire Guiraud. Merci beaucoup d'être notre invitée ce matin. Alors il y a beaucoup de choses dans cet état des lieux, mais effectivement ce que vous dénoncez sur l'humour à la télé et à la radio a pu surprendre, nous ça nous a interpellés ici. On ne rit pas avec les femmes, mais on rit des femmes, c'est-à-dire... Effectivement, on a fait une petite analyse sur la base de sketchs de matinales, de chroniques dans les matinales, des vidéos les plus populaires des youtubeurs et des blagues qui sont diffusées sur Internet. Et on s'est rendu compte que dans la moitié de ces sketchs, on mobilisait des ressorts sexistes. Alors qu'est-ce que ça veut dire mobiliser des ressorts sexistes? Ça veut dire effectivement rire sans les femmes, donc c'est-à-dire qu'elles ne sont pas dans le cercle de connivence et que la blague va renforcer nous les hommes. Et on va rire contre les femmes, c'est-à-dire qu'on va rire de leurs caractéristiques prétendument naturelles, on va rire du fait qu'elles seraient naïves, qu'elles seraient cupides, qu'elles seraient stupides, ou du fait qu'on les réduit à des objets sexuels. Par exemple, vous citez à la télé, parce qu'on a beaucoup parlé du cas de Norman, qui fait des vidéos, a priori comme ça, ça saute pas aux yeux qu'il soit sexiste, mais effectivement vous avez illustré par des extraits où il se moque un petit peu de sa compagne. Vous citez aussi à la télé Catherine et Liliane sur Canal+, que tout le monde connaît, deux collègues qui sont commères, qui sont un peu concons, on peut le dire comme ça, joués par des hommes. Ça contribue à une image dégradante. Alors il y a plusieurs sujets assez intéressants avec Catherine et Liliane, c'est que bon, déjà c'est des personnages de deux femmes qui nous font quand même plutôt rire. Mais sauf que ces deux femmes qui sont interprétées par des hommes dans un contexte en fait où il y a assez peu d'humoristes femmes. Quand on regarde par exemple les 100 spectacles les plus fréquentés en France sur ces dernières années, il y a 20% de femmes, 80% d'hommes. Donc on voit bien que pour les femmes, c'est compliqué de faire rire. On a encore du mal à voir des femmes dans des situations d'humoristes qui font rire. Ça, c'est un premier sujet. Un deuxième sujet, c'est que Catherine et Liliane, c'est effectivement deux femmes secrétaires qui sont... commères, qui sont un peu naïves, et même si parfois elles ont des analyses très justes et des mots très justes, malgré tout, elles sont dans ces rôles de femmes qui ne sont pas forcément les rôles les plus valorisés. Oui. Et le fait que ce soit des hommes qui soient déguisés en femmes, ça, en fait, c'est un mécanisme qui fait rire assez naturellement, spontanément. Ça n'a rien de naturel, d'ailleurs. Alors que l'inverse est assez faux. Si deux femmes se déguisaient en hommes,
je pense que ça ne ferait pas rire grand monde. Oui, vous pensez qu'il y avait Patrick et Michel, mais joués par deux actrices femmes, ça marcherait moins. Ça marcherait pas tout de suite. Il faudrait peut-être qu'ils aient des propos vraiment drôles, mais le dispositif en tant que tel ne ferait pas rire. On devrait essayer, tiens. On va voir ça bien. On va le tenter. Si il y a un truc, un filon, je vous produis, je deviens riche. Et, de nombreuses réactions suite à la publication de cet état des lieux. La première, bah alors, on peut plus rire. Si, heureusement, on peut rire, mais par contre, c'est vrai que le sexisme ne fait pas vraiment rire les femmes, et d'ailleurs, les chiffres... C'est délicat de parler de l'humour, ça, j'imagine, dans les réactions, vous le ressentez, parce que c'est pas forcément... Il peut y avoir de la bienveillance, on fait des blagues, on se rend pas compte... Oui, et puis il y a différents degrés, c'est pas toujours intentionnel, on peut dire des choses qu'on ne pense pas, enfin, voilà, c'est assez complexe, mais quand même, la fonction de l'humour dans notre société, c'est plutôt d'être une activité un peu fédératrice, qui nous met en commun et qui nous, voilà, qui nous fasse partager des bons moments. Et donc, quand c'est dans cette activité-là, en fait, c'est une activité plutôt d'exclusion, on va rire des femmes, on va se moquer des femmes, bah, ça ne fait pas rire les femmes. Et en fait, c'est vrai que les chiffres le montrent. On a encore un tiers des hommes qui considèrent que les blagues sexistes sont drôles, qui rigolent aux blagues sexistes, et on n'a qu'une femme sur sept qui trouve que c'est drôle. Donc, en fait, si, on peut rire. Et d'ailleurs, nous, on a envie de rire ensemble, mais on ne rit déjà plus, en fait, des blagues sexistes. Alors, il y a les blagues sexistes, c'est une chose, et il y a beaucoup plus grave, les injures sexistes. Là, on voit que ça se banalise, qu'il y en a de plus en plus. Une femme sur 20 a subi une insulte sexiste dans l'année. Vous parlez de propos dégradants qui sont en augmentation depuis 2013. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer qu'il y en ait de plus en plus? Alors, on parle typiquement de l'insulte dans les transports en commun. Et d'ailleurs, les insultes, c'est généralement salope ou pute. Il y a donc un lien avec la sexualité de la femme. Tout à fait. Alors, il y a deux choses. En fait, disons que les femmes déclarent de plus en plus le caractère sexiste des insultes qu'elles entendent. Mais le nombre d'insultes n'a pas augmenté. Donc, nous, notre analyse, ce n'est pas que les femmes sont plus insultées qu'il y a 10 ans, mais plutôt que maintenant, elles entendent le caractère sexiste dans, effectivement, le terme de pute, de salope ou de connasse qui tiennent le haut du panier sur les insultes. Ah, j'oubliais connasse. Voilà. Et effectivement, vous l'avez dit, dans ces termes-là, on entend bien la réduction à un objet sexuel, en fait, et les faits que les femmes dans l'espace public sont soumises au regard des hommes et qu'elles vont devoir subir leur avis, leurs propos dans la rue, alors qu'elles y sont juste là pour faire leur vie et qu'elles n'ont pas besoin, n'ont pas envie d'entendre ces propos-là. Donc, effectivement, c'est assez fréquent dans la vie des femmes. Et en plus, c'est assez banalisé parce que, déjà, peu de femmes savent qu'en fait, c'est interdit par la loi, les insultes sexistes. C'est passible de 45 000 euros d'amende et d'un an de prison. Donc, en fait, on peut aller porter plainte pour une insulte sexiste. C'est le cas aujourd'hui de seulement 3% des femmes qui vont porter plainte. Et ensuite, la justice devrait les condamner. Alors, c'est encore très rare. En 2017, il y a eu seulement 4 condamnations pour injures sexistes. Ouais. Donc, on voit qu'il y a encore un peu de chemin à faire. Oui. Très long. Bon, ben, on se donne rendez-vous l'an prochain pour le Tout prochain à fait, état des lieux. Pour le deuxième Merci beaucoup, état des lieux. Claire Guiraud, d'être venue nous voir. Il y a une série qui devrait vous plaire, justement, qui s'appelle Martin Sexe Faible. Vous connaissez cette série? Allez voir sur YouTube, parce que c'est justement une série où on inverse les rôles. Et donc, par exemple, c'est les messieurs qui vont chez le gynéco et tout, et qui comprennent ce que ça fait et tout ça. Vous allez voir, c'est très, très bien fait. Régulièrement dans cette émission, vous savez qu'on aime vous faire découvrir de nouvelles applications qui proposent de venir en aide aux jeunes parents. Aujourd'hui, l'appli s'appelle Pop Moms. L'idée, c'est de développer l'entraide entre parents. Je vais chercher Marcel à la musique et toi, tu gardes Louise demain soir. Des services qui paraissent tout simples, mais qui changent la vie. Reportage de Bérénice Gabriel en banlieue parisienne. On dit bonjour à tout le monde ? Bonjour ! Ces jeunes mamans ne se connaissaient pas il y a quelques mois. Et pourtant, elles ont pris l'habitude de se confier mutuellement leurs enfants quelques heures par semaine. C'est l'occasion aussi de pouvoir faire des choses à côté, sans forcément avoir les enfants dans les pattes, parce que de temps en temps, c'est un peu encombrant d'avoir des enfants. Une entraide possible grâce à l'application Pop Moms qui met en relation plus de 10 000 parents dans toute la France. Le but, s'échanger des services. Pop Moms répond à des vrais besoins de maman qui sont de permettre aux mamans d'alterner la sortie scolaire, de permettre aux mamans de trouver d'autres mamans ou papas pour du covoiturage, d'échanger des heures de babysitting et de troquer. Nos enfants grandissent très vite, ou encore des besoins qui sont très fréquents quand on a des enfants en bas âge, c'est de la garde partagée. D'ailleurs, pendant que Jennifer est à son rendez-vous chez l'esthéticienne, Mila et Aiden sociabilisent sous la surveillance de Jenny. Vas-y, ça, il y en a d'autres normalement. Ça, on met où ? Eh bien, non, commencez pas. C'est Aiden qui l'avait, tu lui prêtes 5 minutes, il va te le donner après. D'accord ? Allez, viens, on fait la cabane. Une babysitter, je ne sais pas si elle se déplacerait pour une demi-heure, une heure. Et puis, même financièrement, quand on voit le prix d'une heure de babysitting, honnêtement, ça ne donne pas envie de faire garder son enfant. Et quand Jennifer revient de son rendez-vous, les mamans ne manquent pas de synchroniser leurs agendas pour fixer le prochain babysitting.
le mardi, mercredi, jeudi, vendredi. 5, 6, 7, 8. C'est ça. Bah, le samedi 2. Moi, samedi 2, je suis en repos. Une application qui soulage les mamans et permet aux enfants de se faire de nouveaux copains. Allez, vas-y, Mimi, fais la course. Alors, la maman dit dans le sujet, j'ai noté, de temps en temps, c'est un peu encombrant de faire des choses avec des enfants. Oui. Oui, on voit de quoi vous parlez, madame. Exactement de quoi vous parlez. Par exemple, tout. Hein, c'est oui, un peu encombrant y a à chaque aussi, fois. Ouais, ouais, quoi qu'on fasse, aller acheter une baguette, c'est encombrant d'avoir des enfants. L'appli s'appelle Pop Moms, n'hésitez pas à la télécharger. Merci beaucoup Benjamin. À suivre le tuto de notre pédiatre, comment soigner une gastro chez un jeune enfant. Tout de suite, nous allons évoquer le syndrome de la tête plate. Si ça se trouve, votre bébé là, je peux vous en parler, et vous ne l'avez pas vu parce que vous êtes occupé à autre chose. Donc on va essayer de vous aider à repérer, et puis surtout, on va vous aider à soigner. Vos réactions sur les réseaux Facebook, Twitter, Instagram, hashtag LMDM. C'est l'heure de partager. Alors, quand un bébé a la tête aplatie derrière ou sur le côté du crâne, on parle de plagiocéphalie, le fameux syndrome dit de la tête plate. Devant l'augmentation du phénomène, la Haute Autorité de Santé a lancé un groupe de travail pour mieux informer les parents et les professionnels sur cette déformation qui est habituellement sans gravité, je vous le dis tout de suite, mais enfin, ce n'est pas très esthétique. Alors, qu'est-ce qui provoque la plagiocéphalie? Comment la prévenir? Comment la prendre en charge? Nous allons répondre à vos questions ce matin avec Olivier Darmon. Bonjour. Bonjour, Maria. Vous êtes ostéopathe spécialisé en périnatalité et donc vous nous expliquez tout sur ce syndrome dans quelques instants. À vos côtés, il y a Laurine. Bonjour, Laurine. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la maman de 10 ans qui a 2 ans et demi. Et on lui a détecté une plagiocéphalie à l'âge de 4 mois et demi, c'est ça, plus Exactement. Ou moins. Donc, elle a dû, alors elle, la pauvre, porter le casque. Okay. Ça, c'est vraiment la dernière solution. Bah, la pauvre, elle a eu ça. C'est pas très agréable. C'est souvent impressionnant. On appelle ça une orthèse. Exactement. Et on va vous expliquer ce que c'est tout à l'heure. Déjà, Olivier, est-ce qu'on peut définir ce qu'est la plagiocéphalie, qu'on comprenne bien? Alors, ce gros mot, ça veut dire juste tête plate. Et en fait, c'est une déformation de la boîte crânienne due à une asymétrie. Et, d'accord. Voilà. Et en fait, cette déformation de la boîte crânienne, elle peut apparaître soit directement à la naissance et un petit peu après. Il y a deux grands types de plagiocéphalie. Il y a ce qu'on appelle la craniosténose. Ça, c'est tout simplement une soudure. C'est une malformation génétique. C'est une pointe soudure sur la boîte crânienne. Ça, on en voit, c'est une orientation chirurgicale. Donc ça, d'accord, on ne va pas trop en parler. En revanche, ce dont je vais vous parler, c'est surtout la plagiocéphalie dite positionnelle. Elle peut être congénitale, donc directement à la sortie lors de l'accouchement. Parce qu'il y a eu une mauvaise position dans l'utérus. Exactement, dans le bassin, dans l'utérus, un alitement un peu prolongé. Enfin, voilà. Ça peut être aussi périnatal, donc autour de la naissance. Alors ça, c'est souvent un geste soit un petit peu invasif mais nécessaire de l'obstétricien ou de la sage-femme. Donc on parle de forceps, ventouses, etc. Oui, c'est ça. Qui peuvent du coup créer une pression sur la boîte crânienne. Et il y a aussi celui qui est le plus fréquent, que je reçois, 20% de mes bébés comme ça au cabinet, qui s'appelle le secondaire. Et ça, c'est un torticolis. Une plagiocéphalie due justement soit à un torticolis, soit à une position un peu prolongée. C'est ça. Voilà. Donc là, on va en reparler justement. Exactement. Les positions parce que c'est quelque chose de clé. Alors Laurine, quand est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait quelque chose qui clochait avec Isor? Alors, donc pour mettre un petit peu dans le contexte, Isor, quand elle était petite, a beaucoup pleuré. Donc on pensait que c'était des coliques et en fait, on a détecté que c'était une intolérance au lait de vache. Donc ça a fait des pleurs... très longtemps, pendant presque 2 mois et demi. Donc j'imagine que c'est un sujet qui vous préoccupait plus que tout le reste. Donc je m'occupais vraiment plus de ses pleurs et de trouver la solution que sa tête. Mais à un moment donné, vers 2 mois et demi, je voyais bien que ça commençait à s'aplatir. Et c'est un phénomène qui s'est amplifié, et ça a commencé à m'inquiéter très sévèrement quand son crâne en fait, s'est aplati d'un côté et est ressorti sur l'oreille de l'autre côté. Ben justement, Olivier Darmon, on a cette question d'Élise qui vous demande quels sont les signes où les parents doivent s'inquiéter. Alors déjà, zéro culpabilité, parce que c'est au personnel soignant de le regarder, ça. Ça fait pas très très longtemps qu'on est tous un peu éduqués à la plagiocéphalie dans les maternités, mais on l'est de plus en plus. Les premiers signes, c'est un torticolis, c'est une tête de préférence d'un côté, ou c'est un vrai torticolis congénital, c'est-à-dire que votre enfant regarde toujours du même côté. Voilà. Ça,
un torticolis, ça va forcément provoquer une plagiocéphalie parce que ça va exercer une pression d'un même côté. Et donc ça, c'est un des signes qu'on peut regarder. Et c'est surtout la symétrie de la tête. D'accord, torticolis, on peut dès les premiers jours, pratiquement. Alors, du bébé. Parfois dès la naissance. Hein. Parfois dès la naissance, sauf qu'un côté préférentiel d'un bébé, dans le ventre de maman, il était la tête, etc., peut entraîner un pseudo-torticolis. On appelle ça les torticolis complémentaires. Et ça, c'est une position de tête qui devient une position de tête confortable pour le bébé. Et donc, il peut aller de l'autre côté à 180 degrés, mais il n'y va pas. C'est ça. Et voilà. Donc là, il faudra le stimuler. Exactement. Laurine, Isor avait plein de cheveux en plus, donc c'était un petit peu compliqué de voir tout ça. Mais une fois que vous avez constaté donc, qu'il y avait une petite tête plate, qu'est-ce que vous avez fait alors? Alors, bon, la pédiatre, forcément, je lui ai posé la question. Et au départ, elle m'a dit, oh, vous inquiétez pas, les bébés, c'est un crâne mou. Je regarde la mignonnerie. Trop chou. Merci. C'est ma fille, dit la maman, très fière. Faut pas que je regarde. Non, je sais, ça fait pleurer. C'est ça. Pourquoi son enfant à la télé, il lui répond des larmes. Non, c'est ça. Ouais, je regarde pas. Et non, du coup, c'est vrai que c'était plus dans le bain, en fait, que je me rendais compte avec ses cheveux. Et du coup, j'ai vu la pédiatre qui me disait que la tête allait se remettre, que c'était mou, que c'était pas très grave, finalement. Mais malheureusement, voilà, pendant l'été, ça s'est aggravé. Et vraiment, il y a eu ce phénomène où la tête s'est complètement décalée, le crâne s'est complètement décalé au-dessus de l'oreille. C'était une plagiocéphalie Alors, en fait, là, Laurine, elle a pu le remarquer parce qu'elle s'était mise au-dessus de son enfant. Et c'est vrai que si on le voit de face, on ne se rend pas forcément compte parce que ça peut être tout léger. Et puis, plus on avance, plus ça s'intensifie, pardon. Et ça peut même devenir une plagiocéphalie assez sévère. Du coup, c'est vrai que c'est bien de regarder son enfant. S'il y a un signe qu'on peut regarder, c'est vraiment de le regarder par-dessus et de vérifier si on a un côté un petit peu plus plat. À ce moment-là, c'est une plagiocéphalie. Ou alors les deux, c'est une brachiocéphalie, mais ça, on verra après, brachiocéphalie. Mais c'est... Quelque part, c'est très important de regarder son enfant. Alors regardez, du on dessus. Voit sur l'écran, voilà, merci. Olivier. Donc il y a la brachycéphalie. Exactement. À droite, c'est ça? Alors le crâne normal à gauche, la brachycéphalie à droite, c'est l'occiput, l'arrière du crâne de notre enfant, qui est du coup complètement comprimé. Plat. Exactement. Ouais. Et ça, c'est très gênant, parce que du coup, pour se retourner, ça va être très compliqué. Pour se nourrir, ça peut être gênant. Pour bien s'hydrater, bien respirer, c'est compliqué pour lui après. Et du coup, vous avez vu d'autres praticiens, puisque la pédiatre vous disait que c'était mou. Mais en fait, j'ai une grossesse un peu compliquée, avec un allaitement pendant 4 mois et demi. Du coup, j'avais vu un ostéo pour moi et je m'étais dit aussi pour Isor. Alors, c'est vrai que je l'avais plus vu pour ses problèmes de colique. Enfin, on pensait colique. Et je l'ai plus vu pour ce problème-là. Donc, elle m'a dit qu'elle avait du mal à tourner la tête, mais c'est plus concentré. Et après, c'est pendant l'été, quand il y a eu vraiment une déformation du crâne. Alors là, c'était la recherche en urgence... d'un ostéo, d'un kiné, enfin, j'étais dans le sud de la France, c'est compliqué de trouver quelqu'un en qui en plus on a confiance. Mais je vous rassure, même à Paris, c'est compliqué de trouver quelqu'un en qui on a confiance. Alors je rappelle, parce qu'on a parlé, vous êtes ostéo et on parle beaucoup des ostéos, mais on va en parler avec vous, Laurine. On peut aussi aller voir un kiné, c'est aussi du ressort d'un kiné, ça peut d'ailleurs être très complémentaire, mais on va en reparler. On a reçu une question pour vous, Olivier Darmon, de Laura, regardez. Elle va venir. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Laura, j'ai 30 ans et je suis maman d'un petit garçon qui s'appelle Nolan et qui a 4 ans. Vers ses 8-9 mois, on a été confronté à la découverte de sa plagiocéphalie. C'est un peu un tourbillon sans fin quand on commence à rencontrer neuropédiatres, neurochirurgiens et tous les médecins qui vont avec. Donc ma question est la suivante, comment ça se fait qu'en France, on ne parle pas de la plagiocéphalie aux parents au même titre qu'un RGO? Merci à vous, bonne journée. Alors, tout simplement parce que la plagiocéphalie, c'est quelque chose qui est apparu dans les années 90, donc très récent, à cause des autres recommandations de la santé qui nous ont dit de mettre les enfants sur le dos, ce qui est une très bonne chose, évidemment, il faut le faire. Oui, il faut le rappeler, il n'y a aucun débat là-dessus, personne ne veut zéro y débat, revenir. Ça diminue par deux la mort subite du nourrisson. Ouais. Donc, les enfants sur le dos. D'accord, mais l'une des conséquences de ça... En revanche, du coup, on en a beaucoup plus parlé maintenant, et on s'en rend de plus en plus compte qu'il y a un vrai impact là-dessus. On parlait beaucoup plus des torticolis, parce qu'on en avait déjà avant ces préconisations. Mais maintenant, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de plagiocéphalie, et surtout, on voit les conséquences.
aujourd'hui. On a un peu plus de recul. Donc du coup, on en parle un peu plus, mais apparemment, pas encore assez. Oui, parce que c'est vrai que les pédiatres ont tendance à dire « Ouh, c'est pas grave, ça va se remettre et tout ». En fait, il y a des vraies conséquences, donc il faut vraiment traiter. Alors du coup, que ce soit un torticolis, le côté préférentiel, etc., est-ce qu'à la maison, on doit faire... Alors il y a plein de choses que vous pouvez faire. Déjà, une plagiocéphalie, plus tôt c'est pris, mieux c'est. Mm-hmm. Évidemment, on s'en rend compte. Moi, je reçois les bébés à 3 semaines de vie, vraiment postpartum, c'est vraiment très tôt. Alors, ce qu'on peut faire à la maison, l'idée, c'est de stimuler l'enfant. Donc, du coup, s'il y a un bébé qui reste, comme cette jolie Simone, sur le côté, sur un côté gauche, eh ben, on va essayer de la stimuler sur le côté droit. On peut changer de place dans le lit, lui mettre la tête au nord. La nuit, on alterne. Ouais. Nord-sud, exactement. Et pendant les périodes d'éveil, on met l'enfant dans d'autres positions que sur le dos. Mmh. Alors, il y a le portage, il y a la position sur le ventre, 10-15 minutes par jour, on peut faire ça plusieurs fois. Ouais. On stimule d'un côté, on nourrit d'un côté, on parle d'un côté. Enfin, voilà. Ouais, il faut penser toujours à alterner. Exactement. Alors, Olivier Darmon, justement, il y a Karen qui se demande quelle est la différence entre un torticolis et une plagiocéphalie. Alors, le torticolis peut être à l'origine de la plagiocéphalie. En fait, la plagiocéphalie, ça peut être une conséquence d'un torticolis à cause d'une tête d'un même côté qui exerce des pressions prolongées et du coup qui crée cette plagiocéphalie. Donc, c'est souvent associé. Et du coup, il faut absolument stimuler le bébé de l'autre côté pour pouvoir prévenir, et assez tôt, cette plagiocéphalie. Donc, je suppose que cette déformation de la boîte crânienne, elle a des conséquences sur l'enfant. Vous parliez tout à l'heure des difficultés à manger. Il y a d'autres conséquences plus embêtantes ? Oui, il y a plein d'études qui sont sorties depuis ces années 90, justement, sur les conséquences directes d'une plagiocéphalie. Il y a des conséquences directes parce qu'en ostéopathie, je vais parler juste un tout petit peu d'ostéopathie, mais le corps est un tout et un ensemble. Et le crâne, c'est la tour de contrôle. L'occiput, c'est ce qui va permettre l'équilibre de l'enfant. Et du coup, on peut se retrouver avec des conséquences d'asymétrie très importantes, même à l'adolescence, donc assez tard, avec des scolioses, des choses comme ça, et des conséquences plus directes. On peut avoir des conséquences sur la sphère ORL, maxillaire, d'alimentation, parce que du coup, c'est beaucoup plus compliqué, d'inconfort, et surtout, ça peut créer, sur des plagiocéphalies assez sévères, des décalages esthétiques. Comme aussi des congestions sinusales, des otites à répétition, voilà. Oui, c'est pas très joli, surtout quand on a un petit garçon avec les cheveux courts, par exemple, ou une petite fille qui a envie de se couper les cheveux très courts. C'est pas super. Alors, Laurine, vous, finalement, vous avez emmené Isor chez un pédiatre spécialisé de plagiocéphalie, tout à coup, j'arrive plus à le dire. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Du coup, c'est vrai qu'à la rentrée, ça s'était accentué. J'ai vu ce spécialiste et là, il a dit que c'était une plagiocéphalie sévère. Aïe. Elle avait 22 mm d'écart, ce qui est assez impressionnant. Mmh. Et il a recommandé le port d'un casque, donc une orthèse. C'est-à-dire que ça ne servait plus à rien là, d'aller chez un kiné ou chez un ostéo. Il fallait quand même... On a fait les deux quand même. Mmh. Mais c'est vrai que par rapport à l'importance de cette plagio-là, il a vraiment recommandé. C'était pas suffisant, quoi. C'était pas suffisant, mais j'ai... Oui. Elle est très mignonne sur la photo, mais ça devait être contraignant quand même, je suppose, à porter, parce que c'est toute la journée. Ouais. Comment elle faisait ? Comment vous faisiez ? Bon, c'est 23 heures sur 24, 7 jours sur 7... week-end, jour férié. Elle dort avec. Elle dormait avec. Elle gardait le sourire. Au départ, oui. Au départ, j'avoue, j'ai hésité. Je savais pas. Il y a très peu d'informations en fait. Puis il y a tout et son contraire. On lit tout et son contraire sur les casques. Mais bon, j'étais persuadée que c'était la bonne solution. C'est vrai que première rentrée en crèche, la directrice qui savait pas trop ce que c'était m'a demandé beaucoup de choses. Il va falloir en parler aux parents. Et puis finalement, c'est très bien. Elle vous a demandé à vous d'aller en parler aux autres parents ? Non, elle a dit qu'on allait peut-être en parler aux parents s'il y avait des questions par rapport au casque. Alors, et finalement, c'est allé tout naturellement. C'est vrai que c'était un bébé de 6 mois quand elle est rentrée en crèche, donc personne n'a fait attention. Moi, je suis photographe, donc d'enfant. J'avoue que bon, c'était esthétique, hein, mais j'imaginais quand même que derrière, il y avait tous ces problèmes liés, comme vous aviez dit, à la scoliose. J'avais entendu parler de tous ces problèmes-là, donc il fallait traiter pour moi. Mais du coup, c'était premier Noël avec un casque. Les photos, j'étais là, oh l'horreur, donc je l'ai enlevé. Oui, un bonnet par-dessus, ça fait l'affaire. J'ai mis le bonnet du Père Noël pour. Elle est trop mignonne. Ça passe très bien. Olivier Darmon, vous pensez quoi, vous, du casque ? Pour le coup, le casque, c'est un peu un aveu d'échec.
C'est à la fin du traitement, c'est souvent en dernier recours, c'est sur des pathologies plagiocéphalie sévères, exclusivement, et ça traite la forme, mais pas l'architecture du bébé. C'est ça. Donc c'est important de trouver des solutions. Laurine, c'est très bien ce que vous avez fait, parce que du coup, vous avez complémenté le traitement avec kiné et ostéo. Donc, du coup, on a pu traiter la forme avec le crâne et les conséquences avec les kinés et les ostéos sur sa symétrie. Donc, c'est très complémentaire. Hein. Kiné, ostéo, bien vous sûr. Travaillez main dans la main pour ce genre de choses. Et Laurine, alors, du coup, c'était à quel rythme ces rendez-vous kiné, ostéo? C'était alors, très lourd? Toutes les semaines. Ah oui. Avec la pédiatre et avec le spécialiste, on a convenu au départ de 10 séances pour essayer vraiment de voir si la mobilité du cou revenait. Puis au bout de 10 séances, ça ne revenait toujours pas complètement. Donc on a poursuivi, elle a eu presque 20 séances de kiné. Mais c'est vrai qu'à la fin, quand on a enlevé le casque, alors déjà, le premier mois du casque, il y avait vraiment eu un gros changement. Donc là, c'était vraiment super parce que j'avais des encouragements. Vous avez dit, ça sert à quelque exactement. Chose. Exactement. Plus, bah voilà, au fur et à mesure des séances kiné, sa tête commençait vraiment, elle acceptait de tourner de l'autre côté, donc c'était aussi encourageant. Et à la fin, bon, là, elle n'a pas recouvert 100% de l'aplat de sa tête. En tout cas, elle tourne la tête. En tout cas, elle est bien jolie. Hein. Ne pleurez pas. Non, attention, elle est à la télé, mais ne pleurez pas. Donc, on a parlé de la prise en charge du kiné pour Isor. Est-ce qu'on peut parler un petit peu d'ostéopathie? Alors, comment est-ce que vous traitez, vous, en ostéopathie? Alors, moi, je vois les bébés juste après la naissance. Donc, je les vois assez tôt, environ 15 jours, 3 semaines de vie. Et ce qu'on fait, c'est qu'on regarde, on fait un bilan avec le bébé, on fait le tour un petit peu du bébé, on regarde s'il a bien digéré ou pas l'accouchement, la grossesse puis l'accouchement, parce que la grossesse peut aussi résulter d'une plagiocéphalie. Et donc, on regarde évidemment la symétrie, on pose les mains et on regarde l'équilibre global de l'enfant. Et du coup, c'est un traitement évidemment très doux. On est dans le bien-être, le bébé, il suit assez le traitement. C'est très rigolo à avoir une consultation avec un nourrisson, je vous la recommande, c'est très sympa. Et du coup, on emmène doucement le bébé vers le côté qui ne va pas, pour ensuite l'emmener vers le côté qui va bien. Et c'est un traitement comme ça, où on va suivre un petit peu les nœuds du corps, pour parler un peu simplement, les liens de restriction que le bébé a engendrés à cause de cette asymétrie. Et le but, c'est de lui donner toutes ces possibilités de mobilité. D'accord. Puisqu'on ait la tête à droite, à gauche, et que du coup, il n'y ait pas un méplat occipital ou autre qui se mette en place à cause d'une tête qui ne tourne pas. Alors, si la tête plate, enfin, en tout cas, la plagiocéphalie n'est pas dès la naissance, il n'y a pas de torticolis, etc., j'imagine qu'on peut la prévenir avec des gestes au quotidien. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point route sur les gestes à adopter avec son bébé? Sachant que c'est vrai qu'on les met dans des transats, qu'on les couche sur le dos tout le temps, et voilà. Alors, vous ne ruinez pas en puériculture, dans des choses qui vont mettre votre enfant sur le dos la journée. Okay, il dort déjà... Donc pas de transat, pas de trucs comme ça? Non, le bébé, Simone... Oui. Ah oui, c'est Simone. Je vais utiliser Simone. Vous l'avez reconnue à son physique. Exactement. Tout à fait avantageux. Simone, on va éviter de la laisser sur le dos quand on va lui parler, quand on va lui montrer nos copains qui vont venir voir notre bébé qui est très très beau, etc. En revanche, on va utiliser le portage, qui est une belle idée, parce que du coup, ça permet à Simone de pouvoir travailler sur ses muscles du cou et du coup d'aller voir ce qui se passe à gauche et à droite. En plus, vous avez les mains libres, donc c'est génial. Et on va travailler aussi sur des portages de bras. C'est-à-dire que Simone, on peut très bien la prendre sur l'avant-bras comme ça, pour éviter qu'elle ait un contact toujours permanent. Attention à votre micro, pardon Olivier. Pardon, excusez-moi. Non, je vous en prie. Je n'ai pas l'habitude. Elle a un contact permanent ici sur la chemise ou sur le corps, voilà. On va essayer de faire en sorte que Simone, elle puisse voir le monde qui l'entoure et qu'elle soit éveillée à droite comme à gauche. C'est ça le plus important. Alors, on peut utiliser des objets. Des jouets. On peut mettre Simone, par exemple, sur le ventre. Elle n'est pas ultra mobile non plus, Simone. Elle est très mobile. On va venir au cabinet, Simone. On peut utiliser Simone. Et donc, Simone, on fait d'un côté exactement. Et de l'autre. Exactement. C'est hyper simple, mais il y a des parents qui disent « mais elle ne voit pas, elle est toute petite ». Sauf que vous faites ça 10 minutes, 15 minutes par jour, c'est hyper efficace. Juste, si c'est plus compliqué pour elle de regarder à droite et à gauche, au changement de la couche, c'est 3 secondes. Mm-hmm. Et vous allez la solliciter, vous lui parlez du côté qui ne va pas. Voilà. En gros, l'idée, c'est vraiment de la stimuler, de lui faire un éveil. La meilleure chose, et c'est la plus sympathique, c'est le matin,
dans le lit des parents, vous mettez Simone chacun sur soi, comme ça. Elle est fascinée par votre visage, elle regarde tout et elle fait l'effort d'aller voir ce qui se passe à gauche et à droite. Donc c'est plein de petits... Alors, on ne se ruine pas en, donc en transat, en cocoon à baby, on proscrit tout ça, etc. En revanche, un tapis d'éveil, c'est pas mal. Tapis d'éveil, c'est très ça bien. Ça pousse un peu à mettre sur le ventre, en tout cas. Oui, sauf qu'il y a des tapis d'éveil avec des arches qui sont centrales. Enfin, Laurence Rameau, notre puricultrice, a déjà dit que pas d'arches. Non, non, mais vous faites bien de le rappeler. Et donc, du coup, les arches, on les enlève et comme ça, on met les jouets sur les côtés et en fonction des forces et des possibilités de votre bébé à ce jour, eh ben, on va plus loin et moins loin. Voilà. Portez vos bébés, ouais. Ça, c'est vraiment le message à faire passer. Merci, Olivier Darmon. Et merci, Laurine, d'avoir témoigné. Elle est tellement mignonne, Isor, je veux dire, avec ou sans casque. On la kiffe. À suivre le tuto de notre pédiatre. Que faire quand son enfant a une gastro, autre réjouissance de la vie de parent. J'en peux plus, en fait. Je dois vous le dire. Benjamin, un appel à témoins sur une autre réjouissance, peut-être. Oui, qui va vous intéresser, Agathe, qui va peut-être même vous concerner. Oui. Votre enfant passe depuis plusieurs mois une période dite de turbulence. Ah, ça y est, je m'en vais. Il pique des colères homériques, crie pour un oui ou pour un non, et où il devient très capricieux, devient très relou, comme dirait Marie. Comment gérez-vous ces tensions à la maison? Qu'est-ce qui marche ou qu'est-ce qui ne marche pas pour le calmer? Venez nous raconter votre quotidien en famille. Peut-être que Marie va témoigner, on ne sait pas. Vous nous écrivez à lmdm@depedozel.com. C'est l'heure de pratiquer. Oh, oh là là, mais Louise m'a trop manqué, voilà, je dois le dire. Alors ce matin, on parle de la gastro, Arnaud, hein, qui empoisonne la vie de toute la famille. Bonjour Virginie, rebonjour. On s'est vu en début d'émission. Est-ce qu'elle a déjà eu une gastro, la petite Louise? Non, jamais, pas encore. On précise qu'elle a 15 mois, c'est bien ça? Oui, 15 mois et demi. Bon, donc jamais de petits vomitos, jamais de petits popos liquides? Non, pas encore, mais Louise est gardée par une assistante maternelle. Mm-hmm. Et j'appréhende un petit peu l'épisode gastro-entérite. Bon, est-ce que c'est quoi une gastro, déjà, qu'on définisse un peu, docteur? Alors, gastro, ça vient estomac, donc vers le haut. Quand il y a un virus, la plupart du temps, ça va décaper un peu la muqueuse de l'estomac. Et c'est pour ça que souvent, ça commence par des vomissements. Et entérite, c'est l'entéron. C'est, on le voit sur l'animation, l'ensemble de l'anatomie. Donc, estomac vers le haut, des spasmes. Et ça provoque des vomissements, mais pas toujours. Et l'intestin grêle, c'est entéro. C'est l'intestin, et c'est cette partie-là qui commence à être touchée par le virus, et ça va donner des diarrhées. Et c'est toujours un virus? Non, la plupart du temps, c'est un virus. Mais ça peut être une bactérie. Alors une bactérie, ça c'est le pédiatre, ou dans la crèche, on s'affolera parce qu'on voit que ça dure, ou qu'il y a par exemple un petit peu de sang dans les selles, donc il faudra s'alarmer. Ça peut être une mycose, ça peut être une candidose. Et puis parfois, il faut aussi penser, si les parents reviennent d'un pays étranger, il faudra rechercher une parasitose. C'est ça. On parle de rotavirus souvent. Alors le rotavirus, oui, on va le voir sur une petite animation. Mm-hmm. Le rota, hein, ça nous vient du latin. Hein, comme c'est mignon. Voilà, voilà, on va faire un petit cours. C'est la roue. Ça, c'est un virus qu'on voit et qu'on identifie très facilement au microscope. C'est celui qui est le plus souvent responsable des fameuses gastro-entérites, en particulier chez les enfants, mais chez les adultes, pareil. Alors, à quel âge est-ce que ça arrive le plus fréquemment, les gastro? En gros, ça commence dès qu'un enfant commence à aller en collectivité. Mmh. Ou alors, s'il y a des grands frères et sœurs qui viennent à la maison. Je dirais qu'avant 4-6 mois, c'est plutôt rare, mais ça peut déjà commencer. Et les collectivités, évidemment, il y a concentration des germes, des microbes, et ça favorise Mais la qu'une envie, c'est d'aller explorer. Mais oui, Louise, je comprends. Et tu sais, quand tu regarderas ces images, quand tu seras grande, eh ben, tu diras, bah, moi, on m'avait forcé, j'ai d'être dans les bras, alors que je voulais marcher. C'est quoi les symptômes? Alors, les symptômes, comme je le disais, ça commence par des vomissements. Une baisse de l'alimentation. Il faut faire attention, particulièrement chez les petits nourrissons, pour qu'il n'y ait pas de déshydratation. Mm-hmm. Il faut bien qu'ils s'hydratent. Les diarrhées peuvent venir dans un deuxième temps. Les maux de ventre, mais un petit enfant ne va pas montrer qu'il a mal au ventre. Et chez les plus grands, ça peut commencer par des maux de tête. Un mal de tête, une fièvre, ça peut être le déclaratif d'une gastro-entérite. Bon, ça se transmet comment? Ça, c'est très important. Les mains. Alors, il faut se laver les mains en permanence. Il faut se laver les mains. Le gel hydroalcoolique pour les adultes, hein, pas pour les enfants. Se laver les mains quand on rentre de l'école. Les jouets qu'on va laver régulièrement. Les plans de travail qu'on va nettoyer avec un antiseptique. Le savon pour l'enfant. Le savon, et pour les adultes, c'est pareil, le faire régulièrement, surtout si quelqu'un commence à avoir un peu des nausées, un peu mal au ventre dans l'entourage. Donc, l'hygiène pour éviter de transmettre. D'accord. Les tablettes tactiles, les poignées de porte, etc., les toilettes. Alors, comment ça se soigne? Parce que c'est ça qu'on veut savoir. Une fois que c'est là,
Comment on traite? Le but, c'est que l'enfant ne se déshydrate pas, surtout quand il est petit. Dès qu'un enfant a un vomissement, il faut avoir le réflexe de lui donner un soluté de réhydratation. Donc, ce sont des sachets, des granulés que le pédiatre va prescrire. Mais j'invite vraiment tous les parents à avoir ça dans leur pharmacie, même quand ils partent en voyage. Ça se dilue dans un biberon d'eau. On met en général un sachet complet dans 200 ml d'eau. C'est transparent comme ça. Ça apporte des sels minéraux. Ça apporte du glucose. Et ça, au moins, l'enfant ne va pas le revomir. S'il ne veut pas l'accepter, que ça n'a pas très bon goût, on peut le mettre au frigo. Mais il y a des médicaments à prendre et tout? Alors, les médicaments, ça vient dans un deuxième temps. Mais surtout, il y a un régime qu'on va faire. Donc, la banane écrasée, la pomme râpée, c'est très bien. La carotte, ça, c'est sympa. Donc, c'est un régime qu'on va faire pendant 24-48 heures. Et on le fera jusqu'à ce que les selles soient normales depuis 24 heures. C'est ça, l'indicatif. Quand est-ce qu'il faut consulter? Qu'est-ce qui peut pousser à nous à consulter? L'enfant qui ne boit pas, l'enfant qui a une forte fièvre, l'enfant qui devient un peu pâle, l'enfant qui n'urine pas, les diarrhées qui sont nombreuses et importantes, par exemple plus de 6 diarrhées en 6 heures, là il faut consulter, il faut s'alarmer. Alors il y a un vaccin, j'ai fait vacciner mes enfants. Qui vaccine contre le rotavirus dont nous avons parlé tout à l'heure. C'est un vaccin que les pédiatres, les médecins proposent dès l'âge de 2 mois pour les enfants. Il faut le faire avant l'âge de 4-5 mois. D'accord. Okay. Et en deux, ça se met par la bouche. Et avant l'épisode de gastro, je suppose? Non, il faut le faire chez un petit bébé. Après 6 mois, ça ne marche plus. Donc, il faut vraiment protéger l'enfant. Donc, c'est trop tard pour Louise, alors. Là, pour le coup, qui a 15 mois. Oui, c'est trop tard. D'accord. Bon, donc, il faut juste retenir comment on soigne et comment on prévient. Bon. Hydrater. D'accord. Hydratation. C'est le mot clé. Ça y est, on a enfin libéré Louise de son envie d'explorer, quoi. Je veux dire, voilà, évidemment, à 15 mois, on a envie de voir ce qui se passe dans la pièce. Merci beaucoup, Virginie. Merci. Elle est trop mignonne, votre petite. Merci, Arnaud, pour ces bons conseils. Marie-Père Arnaud, elle élève nos enfants. Oui. Et leur fait découvrir le monde, justement. Oui, gros dossier sur les couleurs ce matin, Agathe. Ça a été un sujet pour mon petit, donc j'arrive en pas chassé volant. C'est l'heure de tester. Et oui, apprendre à reconnaître et à nommer les couleurs, pas avant 2-3 ans, évidemment. Et on va le faire de manière naturelle au quotidien. Oh, quelle belle voiture rouge! Oh, ma foi, quel beau mouton bleu! Vraiment, voilà, on va pouvoir... C'est vrai que ça, c'est fréquent. Oui, c'est le bien connu, surtout vers chez vous. Il y a pas mal de moutons bleus. Dans les Hauts-de-Seine, oui. Ah, oui. On va pouvoir utiliser d'autres objets, par exemple les bilobis pour le bain qui sont colorés. Vous avez aussi des pastilles de bain colorées. Donc, en gros, mettez de la couleur dans votre quotidien. C'est beau. Et puis, vous allez nommer, mettons, manteau jaune, tes bottes bleues. Ça, c'est des choses qu'on va faire de manière très naturelle. Évidemment, vous me connaissez, j'ai chiné, j'ai fouillé, j'ai dégoté, moult choses sympathiques pour travailler couleurs, certes, mais pas que, avec, par exemple, ce genre de petite merveille. Un jouet tactile, un jouet sensoriel qui va servir à l'enfant pour plein de choses. Alors, j'ai trouvé chez Optoys, on surkiffe, j'ai envie de dire, parce que beaucoup de couleurs. Manipulation motricité fine, on va pouvoir apprendre aussi la conséquence de notre geste. Et puis le parent un peu stressé du slip, comme souvent, va pouvoir l'utiliser en fidget. Donc ça, c'est super bien. C'est quoi bien. Ça, fidget? Fidget, vous savez, c'est comme les hand spinners, en fait. C'est un petit truc qu'on met dans les mains. Ah, pour se déstresser, d'accord, ok. On manipule un petit peu comme on se ferait des rosaces pendant qu'on téléphone à quelqu'un qu'on n'aime pas. Oui, c'est voilà. Ok, bien, ou qui nous ennuie. Oui, tout à fait. Alors, on reste dans le sensoriel. Vous avez vu que à toucher, à manipuler, c'est très sympa, avec les miroirs pour rendre la vie bleu, par exemple, ou bien jaune. Et puis, si on les mixe, eh bien, ma foi, on c'est a un vert, mon Dieu. Vert. On va pouvoir voir le monde en couleur. C'est alors, génial, vous voyez que ça. L'appréhension, c'est Maman Naturelle qui propose ça. C'est Tikit, ce qui avait fait les petits sabliers, je vous avais présenté aussi. Mm-hmm. Et donc là, on va pouvoir aborder la couleur d'une autre façon et puis le rendre concret. Vous voyez que Marcel a mis un petit peu notre vie en rose ce matin. T'es ça trop fait mignon. Du bien. Donc ça, c'est super. Ensuite, il y a énormément d'activités Montessori faisant intervenir les couleurs. Donc là, inutile d'investir des milliers de cents. On peut le faire soi-même, du tri majoritairement avec des petits papiers de couleur, des pailles, des crayons de couleur. Je suis une feignasse. J'ai donc opté pour le tri de couleurs par jetons Oxybule. J'aime bien acheter de temps en temps des choses comme ça parce que je vous avoue que dans la mesure où manuellement je ne suis pas au top, les gens le font bien pour ne moi. Ne dites pas ça. Donc ça, on peut commencer vers 2 ans. On trie. Donc là, le principe est simple. On trie, on nomme les couleurs. On est évidemment dans du ludique puisqu'on n'est pas... Oui, c'est ça. Donc on dit mets les petites pastilles vertes. Alors on met les verts, on met les bleus, on va pouvoir ensuite compter, etc. Génial. Ensuite, bon, bah, mon chouchou parce qu'il y a du diamant. Je suis donc une pauvre fille, mais j'aime bien quand il y a du diamant. Alors ça, c'est chez Optoys aussi. C'est un... Et du diamant véritable, hein, bien sûr. Bien sûr, regardez-moi. Ce gem. Alors là, on est dans de l'encastre
autrement. Certes, là, on est sur de l'émeraude. J'aime bien, oui, de l'émeraude, du rubis, bien entendu, de la topaze. Le jaune, je sais plutôt comment on dit. Alors, on va pouvoir l'utiliser. Un diamant jaune. Un diamant jaune, oui, c'est vrai. On va pouvoir l'utiliser. Citrine. Tout simplement, citrine. Heureusement qu'on a une oreillette, hein, mon chou. Non, non. Ah bah, je jure que non, là, pour le coup. Non, je suis très spécialiste des gemmes. Spécialiste. Donc, on va pouvoir jouer tout seul, c'est-à-dire nommer les couleurs, les mettre comme on veut. Viens, on met un jaune au-dessus d'un bleu. On va pouvoir jouer en autonomie ou bien utiliser des petites cartes fournies avec pour reconstruire. Donc là, on est un petit peu sur de l'algorithme et on est sur de la manipulation. Si on n'aime pas les couleurs, si ça nous gonfle, on peut aussi faire tout simplement un petit puzzle avec des animaux. Génial. Voilà. Tuk, tuk. On peut varier les plaisirs. Quand on a bien assimilé les couleurs et qu'on a envie de jouer et qu'on aime les hiboux, ce qui est mon cas, on va pouvoir jouer aux hiboux joyeux trouvés également chez Optoys. Alors, de la même façon, on peut manipuler tout seul ou on prend une plaquette et on va devoir reconstruire le hibou proposé. Alors nous, on est plutôt joviaux et on fait un peu comme on veut. Donc on met le corps du hibou et là, on en profite pour nommer les gestes, les figures. Donc là, je lui mets la tête rouge. Alors là, vous voyez qu'on a plusieurs couleurs. Ouais. Donc il faut vraiment attendre que l'enfant ait 3 ans pour pouvoir jouer. Et puis, on peut nommer aussi les parties du corps, les ailes que nous avons au nombre de 2. Les yeux, et là, on y va. On retrouve les gemmes. Vous avez vu que je suis quand même assez joyeux. Ouais, non, c'est chouette. Et ce jeu est magnifique. Alors, il va stimuler encore une fois la motricité fine, la reconnaissance des couleurs, et puis le jeu, tout simplement, le ludique. Parce qu'on n'est pas là que pour apprendre, on est là aussi pour s'amuser, bien sûr. Et ça fait des cours de chambre. Magnifique. C'est trop joli. C'est trop, trop joli. Écoutez. Merci beaucoup, Marie. Mais je vous en prie. On a fait le tour. On a fait le tour. Fantastique. On va retrouver Benjamin qui, lui, nous a prévu un petit peu de littérature. Oui. Sur très important. Tout à fait. J'hésitais entre vous présenter le dernier Houellebecq et Le loup, la puce et la galette. Pour les enfants, à lire aux enfants, c'est fantastique. Oui, Houellebecq. Il y a 2-3 passages, il faut éviter. Le loup, la puce et la galette. Vous aimez les galettes franc-comtoises Les galettes des rois. Galettes des rois, oui, un peu trop à mon goût. Un peu trop, ça fait un peu grossir. C'est-à-dire que c'est un repas pour 10 jours, une part de galette. C'est l'histoire d'un loup qui découvre une petite galette. Il a envie d'aller la manger, mais pas de bol pour lui, il y a une puce qui va l'empêter. Donc, ça va manger trop de galettes. Vous savez quoi, Benjamin, si vous voulez arrêter. Arrêtez là. Ouais. Qui va l'empêcher, du coup, regardez, il va pas arrêter de se gratter, etc. Cette puce l'empêche d'aller piquer cette galette qui traîne. Il aimerait bien la voler. Et qu'est-ce qu'on comprend au final? Que tout ça a été manigancé par les autres animaux qui lui ont envoyé une puce spécialement pour que ça le gratte et que le pauvre loup, il puisse pas aller leur goler. Belle métaphore de la vie, oui, Benjamin. C'est une métaphore de la vie. Ouais. J'ai rien compris, mais ça a l'air vraiment. C'est aux éditions. Ça a l'air génial. C'est aux éditions Frimousse et en plus, j'aime bien les dessins. Ça a l'air rigolo, donc je vous comprenez ça quand je dis que j'aime bien les dessins? Ça, c'est bon, regardez. C'est magnifique. Trop beau. Merci. C'est hyper joli. Alors, je vais vous faire le prénom du jour. Oui, ça sera mieux, je pense. Je vais essayer de bien le faire pour que vous compreniez. Mmh. Le prénom du jour est un magnifique prénom. C'est Elisabeth. Elisabeth qui est d'origine hébraïque et signifie Dieu et promesse. C'est l'un des plus anciens prénoms bibliques. Rendez-vous compte. Mmh. Elisabeth a toujours été très en vogue en France et a donné naissance à beaucoup de diminutifs et de variantes. Par exemple, Lisa, bien sûr. Babette. Babette. Ouais, c'est bien aussi. Il fait partie des prénoms traditionnels, mais connaît un lent déclin depuis quelques années. Alors, on les fête quand? Les Elisabeth, le 17 novembre. Alors, des Elisabeth célèbres. Il y en a plein. Elisabeth II, bien sûr, la reine d'Angleterre. Elisabeth Taylor, célèbre joueuse du PSG. Elisabeth Guigou, bien sûr, la chanteuse. C'est incroyable, c'est que vous avez. Ou Elisabeth Bininter aussi. Anne-Elisabeth Lemoine. Absolument. Elle s'appelle Anne-Elisabeth. Oui, mais enfin, bon, elle s'appelle Elisabeth. Ou alors Elisabeth d'Autriche, si. Elisabeth Macron aussi. Elisabeth Macron, ouais, Elisabeth Berthier, ouais. On peut en citer comme ça. Ça n'a aucun sens. Aucun. Elisabeth Casa, la femme de notre producteur. Oui, absolument, qui est très, très mignonne. Elle est au régime en ce moment. Mais... Bien, bref, je pense qu'il faut clore cette émission, et ce, le plus rapidement possible, pour vous libérer, hein, vous. Demain, on se retrouve pour parler allaitement. On sera très, très sérieux. Comment faire pour le poursuivre, même quand on reprend le travail? On ne nous facilite pas forcément la vie. Nous retrouverons Anna Roy. Notre sage-femme adorée qui nous expliquera comment elle pratique la suture d'une épisiotomie. Elle revient en forme. Hein. Elle vient avec son steak de poulet et ses aiguilles. Ça va être beau. Oh là là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, eh ben évidemment, Marie, vous ne serez pas là, parce que vous serez en Laponie, au pays du Père Noël. Dommage que je rate la suture quand même. Hein. Ouais, c'est dommage, hein, mais vous pouvez regarder, évidemment, en replay. Avec plaisir. Et puis, du coup, c'est Elisabeth Fock de Elisabeth, Magic Maman. Oui. Qu'est-ce que j'ai dit, Elisabeth? Oui, c'est une obsession. Oui. Elle sera là donc, pour nous faire un banc d'essai des trotteurs, puisque c'est la spécialiste S puériculture de Magic Maman. Bienvenue à Elisabeth, avec qui on se quitte, et au bébé du jour. Reproduisez-vous jusqu'à, vous savez, jusqu'à demain jeudi, je crois que c'est ce que je vais aller faire, parce que parler, ça ne va pas. Bisous. Au revoir. Oh, c'est cool.